Et salut à tous, match contre Bologne. Bologna pour les Italiens. Et on compte gagner. Je vais faire tourner l'effectif. Parce qu'après, il y a du lourd qui nous attend. La Juve en Coppa Italia. Mais quand même, on passe de 89 à 60 en esprit d'équipe. Hein. Il y a moyen. Bonjour à tous et bienvenue, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Comme toujours, le stade, vous le voyez, est quasiment plein, même si le ciel est menaçant, l'ambiance est au beau fixe dans les tribunes, les joueurs se sont parfaitement préparés pour cette rencontre. Et vous aussi, j'espère, on va vivre un beau moment de football. On a senti une vraie attente autour de ce match, et notamment chez les supporters. Quelle émotion de voir ce stade rempli jusqu'au dernier siège. Allez, Oudinez, on est chez nous. Et on rentre dans le vif du sujet. Il a stoppé l'attaque adverse. Mais il va être sanctionné. Dernier avertissement oral de l'arbitre. La prochaine fois, le carton va sortir. Il va peut-être falloir lui parler parce qu'il ne peut pas continuer comme ça. À la prochaine faute, ce sera carton. L'Udinese est le contre actuellement la avec Kassim Ghezzal. Quelle efficacité. Ghezzal. Il peut frapper. C'est magnifique contre-attaque. C'est super bien joué ça. Il savait exactement ce que le gardien allait faire. Ghezzal qui double son capital but avec sa deuxième réalisation de la saison. Ce but en tout début de match devrait leur apporter de la confiance. Ce sera une touche. Le ballon dans la profondeur. Il frappe. Oh, quelle parade! La parade magnifique! Ah oui, il semble déçu. Il pensait bien que ça allait au fond. L'Udinese, qui s'était imposé lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, espère bien remporter une nouvelle victoire aujourd'hui. Il s'impose physiquement dans ce duel. La faute.
Odenaise. Odenaise. Le bon ballon. Odenaise. Federico Santander. Et il cède sous la pression. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. L'Udinese, qui est l'une des meilleures défenses du championnat ces derniers temps, ça fait désormais 5 matchs sans encaisser le moindre but. Bravo. Il n'y a pas eu de round d'observation dans ce bon début de match. Ça fait donc 1-0. Il cherche son coéquipier. C'est comme ça va soulager un peu et se fait pardonner. L'Udinese qui peut avancer. Allez, c'est une frappe. C'est loin du cadre. Ah, mais c'est précipité tout ça. Il doit au moins prendre l'information pour savoir s'il n'a pas mieux à faire. Il a frappé vraiment trop vite. Avec Ghezal, il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Dykes, une très grande ouverture. L'Udinese qui cherche l'ouverture. Ça joue long vers l'avant. Bonne intervention. Et c'est directement récupéré. Ça joue long. Il l'a vu. Oh, ce centre qui n'est pas passé très loin. Et la défense se donne de l'air. C'est bien fait, ça. C'est parfait, magnifique. La longue passe. Un sang. Et cette tête. Et Kranchez. Il compte maintenant l'avance de but. Ah, tout est rentré. Ah. Ça, c'est du jeu collectif. Il passe de défense en attaque. Elle sort à l'heure. Et au but. Tête croisée magnifique sur un centre de Zinelli, non de Jordan Lukaku. Premier assist pour Jordan Lukaku. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Ils vont sans doute être plus détendus maintenant. Et qui sait, peut-être même prendre le large. C'est joué long, attention. Ce sera une sortie au 6 mètres. Tété. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Bien servi. Dykes qui récupère ce ballon. Un long ballon vers l'avant. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Ça peut être extrêmement dangereux. Bon service dans la profondeur. La passe dans la profondeur. Oh, l'occasion. Oh, Kranchez. En présence. Et ça
tout simplement imparable. C'est vrai que dès que j'ai la manette qui bug pas, je sais mettre les ballons où je veux. La seconde période, c'est parti. Et oui, faute, coup franc. Il tente sa chance. Et ça venait de loin, il répond présent. En tout cas, on ne peut pas leur reprocher de tenter des choses, mais bon, ça ressemble quand même à un aveu d'impuissance. La bonne interception. Peut-être une occasion pour Palacio. De Paul. Il ne résiste pas au contact. Il allonge vers l'avant. Peut-être une occasion pour Palacio. Oui, là il y avait clairement faute. Allez, on va en rester à l'avertissement verbal de la part de l'arbitre. La prochaine fois, ce sera carton. De son entraîneur. Vous savez, un match tient parfois à rien. Il suffit de faire le bon changement au bon moment pour forcer la décision. Mais il ne faut pas se tromper. Hein. Ça ne passe pas. L'Udinez qui récupère ce ballon. Tété. L'Udinez qui donne l'impression de contrôler tranquillement cette rencontre avec ses 3 buts d'avance. Il préfère jouer avec son gardien. Il tire vers l'avant. Ça fait du bien. Pas mal ce tac. Il décide d'allonger le jeu. Essayer d'y aller seul, mais sans réussite. Il tente de la jouer dans l'espace. C'est joué dans la profondeur. Il y a peut-être un coup à jouer. Il a pris des risques sur un coup franc. Oh, attention, Diesel ! À côté. Ah, quel dommage. Il était pourtant en position idéale. Pologne qui effectue un changement. Le premier changement n'a pas franchement été décisif, alors là, l'entraîneur a battu sa deuxième carte. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Il cherche la profondeur. On joue sur l'aile, il est servi. Oui, ça pouvait être dangereux. Il fallait impérativement l'arrêter. Ça va ? Pas mon gamin. La bonne passe. Oh, zitto. Tu calines nous l'hiver, hein? Avec ton gros ventre, hein? Ton gros ventre.
Tu veux pas jouer? Encore? Oh, le contre, l'arme fatale. Il est passé, il file jusqu'au bout. Il était tout seul. La défense avait l'air vraiment vulnérable sur cette action. Ils n'ont pas trouvé de réponse à ces dribbles. Les changements s'enchaînent, on dirait bien. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus. Alors il valait mieux le sortir maintenant plutôt que de risquer la blessure. Tété. Yeah, il se cache. On dirait qu'il se cache derrière le camp. La défense est très solide. Il voit sa passe interceptée. C'était une bonne passe, mais la défense ne s'est pas laissée prendre. Que ce serait cruel de perdre le titre comme ça. Dans l'axe. C'est une occasion, ça. Mais il n'y en a même pas eu un temps pire. Oui, ça part d'une bonne intention, mais malheureusement pour lui, ça ne marche pas. Il joue. Oh. C'est joué long. Va-t-il en profiter? C'est joué dans l'espace. Attention, la frappe. Hop là. Ça commence à faire lourd et je ne suis pas sûr que ça va s'arrêter là. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Oh, des nazes. Oh, des nazes. Oh, des nazes. On est désormais à 3 buts dans ce championnat. Désormais, ils ont l'air intouchables. Danilo Larangueira, c'est osé. Palacio. Dans la profondeur. Allez, Palacio. Les duels s'enchaînent. Quelle passe!